Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est le Ptetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty World War 2 pour un énorme pack opening que j'ai gardé depuis quoi, ça va faire 3-4 jours que je joue et j'ai fait exprès de les garder pour vous faire un gros truc. Je n'ai absolument zéro variante d'armes sur Call of Duty. Ah oui, bon bah la DualShock on s'en bat les couilles sur Call of Duty World War 2. Donc ça risque d'être assez intéressant. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like si tu veux voir d'autres gros openings sur Call of Duty World War 2. Alors, on est parti, je pense qu'on va bien se marrer, ça risque d'être assez marrant. Alors, on ouvre le premier largage, donc vous pouvez voir justement j'ai 15 largages normal et 22 rares. Donc ça risque d'être quand même assez intéressant. Alors, let's go par les largages de ravitaillement standard. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah bah putain! Let's go! Let's go! Premier pack, j'ai déjà une arme héroïque. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Je vais voir qu'est-ce que c'est tout de suite. Comme ça on va pouvoir tout de suite vous dire à quoi cela correspond. Oui s'il te plaît, merci, ça serait très gentil de ta part. Donc qu'est-ce que ça serait? En fait je sais pas du tout à quoi ça correspond. Non je pense pas que je dois l'avoir. Bah au cas où je verrai ça plus tard sur le coup, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond puisque c'est la première fois que je vois les variantes d'armes sur mon compte. Alors moi on en a déjà une. Ok donc on... Ok d'accord, deuxième arme épique, un sniper. Ok bah écoutez pourquoi pas. C'est vrai que le sniper il est quand même assez intéressant sur Call of Duty World War 2. Il est même trop cheaté, on va pas se le cacher. Donc là pour le moment, ouais c'est assez sympathique, on va pas se le cacher. C'est sympa, c'est pas exceptionnel. Ouais bon, bon on a déjà eu deux variantes d'armes dans les trucs normaux. On va pas commencer à se plaindre. Ok, on a eu donc un truc épique. C'est sympathique de nouveau, mais sans plus. Ouais, il y a pas grand chose là. Il y a pas grand chose, on est tombé sur... deux armes épiques, on commençait bien. Bon, quoique déjà, deux armes épiques, c'est déjà pas mal, tu vois. Genre, début, on commence bien, deux armes épiques. On les fortiche. 5 XP, oh, ça c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Donc, on a un truc épique, de nouveau. Ok. Et ce qu'il faudrait, ce serait de nouveau une arme. Ah, héroïque. Bon. C'est pas que les camouflages m'intéressent pas, mais on s'en rapproche, là. Non, parce que là, ce qu'il nous faudrait, ce serait de nouveau une autre arme... assez stylé. On a déjà un doublon. Ok, d'accord, frère. Et déjà des doublons, ça fait même pas 20 trucs. Ouh, il est stylé. Il est épique, mais il est stylé. Non, mais si on a déjà des doublons dans les trucs comme ça, lorsque j'ai même pas encore ouvert 20 packs, c'est quand même assez incroyable. Épique, d'accord. Une poignée épique. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, après tout. Au moins, là, on est déjà sur du 6 minutes. On va essayer maintenant d'ouvrir les largages de ravitaillement rare. Et on va voir qu'est-ce que cela va nous donner. Alors. Ok, donc on a déjà une poignée et 5% d'XP supplémentaires. Voilà, voilà, c'est ce qu'on voulait. Une nouvelle arme épique. C'est stylé, ça fait grave plaisir. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a de nouveau. Let's go, de nouveau un autre truc. Ok, stylé, on a donc une nouvelle variante. Bon, par contre c'est de nouveau sur un sniper je crois. Donc ça c'est un peu naze. Enfin, c'est un peu naze. Les snipers, ils vont être là en mode « Ah, mais c'est génial ce que tu viens de faire !» Tu vois, je suis en mode, tu vois, moi, je m'en bats les couilles un peu. D'accord, j'ai de nouveau un doublon. C'est génial, ça. C'est incroyable, dis donc. Ok, donc on a une nouvelle arme. De nouveau. Donc là, on est quoi? On est déjà à 4 nouvelles armes. Ça passe bien, dis donc. Ça passe assez bien. Après, je pense qu'on pourrait quand même avoir un peu mieux. Ok, infanterie soviétique. Mais là, pour l'instant, je crois qu'on est à 4 ou 5. Ok, let's go. Et je crois qu'en plus que c'est la MP40, je crois. Je crois que c'est la MP40, donc ça, ça fait plaisir. Ça fait également plaisir. Donc là, on est pour l'instant à 5 variantes d'armes. C'est plutôt assez cool. Ok, d'accord. Moi, j'aurais cru quand même un peu plus. Après, je dirais pas non d'essayer de choper la barre. La barre, ça serait quand même assez intéressant. Je pense que je upperais beaucoup plus si j'ai la barre. Ou la STG.
Et même la M19 au final, ça serait quand même assez cool. Pour le moment, de nouveau, pas grand chose, quoi. Là, franchement, au moins qu'on termine sur un bon truc, quoi. On a encore 6 largages à faire. Ouais, bon. Là, pour le moment. Oh, héroïque! Oh putain, et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Oh, c'est quelle arme? Ah putain, ça faut que je regarde juste après alors. Là, ça faut que je regarde. Héroïque. Ok, ça c'est stylé. C'est stylé ça, tu vois, au moins c'est grave stylé. Ok, bon, encore 2. Écoutez, on en a encore 2. Foutu. Et ça sera donc le dernier. Et après, on va pouvoir voir qu'est-ce que j'ai débloqué donc sur Call of Duty World War 2. Héroïque. Oh, c'est quoi? C'est la STG? Non, dis-moi pas que c'est la STG. Dis-moi pas que c'est la STG. Non, attends, il faut que je regarde ça. Oh, dis-moi que c'est la STG. 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 Let's go! Let's go! Let's go! STG! Let's go! Putain, j'ai la STG, donc en plus d'avoir la STG, on va voir qu'est-ce qu'on a également dans les mitraillettes. Donc on a la MP40, on a donc les deux épiques et héroïques donc sur la MP40. Ça fait grave plaisir. Niveau fusil d'assaut, on a également la carabine. Alors, je touche pas beaucoup à la carabine, il faut le savoir, c'est pas vraiment une arme qui m'intéresse énormément. Et niveau fusil précision, donc la carabine de nouveau, donc là on a un nouveau. Et donc pour celui-là, d'accord, j'utilise juste pour voir le truc. Loyauté, donc ouais, pourquoi pas. Donc au total, si on doit quand même dire, donc on a eu avec la carabine, on a eu avec la STG, qu'on va juste revoir ici, donc qui est en l'occurrence sérum. Ah merde, j'ai changé ma carte, bon c'est pas grave. Le sérum, ouais ta gueule, merci. le sérum, carabine. Mitraillette MP40, on en a eu deux. On a eu deux MP40. Donc ça c'est grave stylé aussi. Ça va peut-être un peu me forcer à plus jouer à la MP40. Et si on doit terminer sur un dernier truc, en l'occurrence c'était donc la carabine, celui-là et celui-là. Donc on a eu exactement 6 nouvelles armes variantes sur Call of Duty Black Ops 3. 6 nouvelles armes variantes sur Black Ops 3. Sur Call of Duty World War 2, on va y arriver. Faut que je switch dans ma tête BO3 et WW2. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me défoncer cette barre de like si cette vidéo t'aura plu. Et puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.